S'il est un mauvais coup, tu restes avec lui ou tu le quittes? S'il est un mauvais coup, ça dépend de sa situation financière. Ok. Ne pas qu'il t'a fait un riche. Parce qu'il m'a trompé. What? Je pense que je vais le tromper. Je vais le quitter, mais je vais le mentir. Ça, c'est vrai. Ah! Femme! Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Bon, là, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle la force aux fesses. Oui. Avoir la force aux fesses. Bon, déjà, si une fille est nulle au lit, je ne vais pas quand même dire que je. Il y a ce qu'on appelle les entraînements. Pardon? Bonsoir mon frère. Bonsoir. 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 Moi c'est Francky. Moi c'est Ousmane. Moi c'est Sylvia. Enchanté. Enchanté. Oui, aussi, enchanté. Alors si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, si elle est un mauvais coup, tu la quittes ou tu restes? Je reste parce que c'est pas ça le plus important. C'est quoi le plus important? Je pense que les sentiments sont plus importants. Les sentiments sont plus importants. Ouais. Mais la personnalité de la personne. C'est intéressant. L'aspect du lit a une importance, mais pas si importante que pour moi, la personnalité, ce qui est au fond. D'accord. Ouais. Donc, même si la personne n'est pas bonne au lit, même si elle n'est pas belle. Je vais même jusqu'à, même si elle n'est pas belle, pour moi, si elle est une personne gentille. Si elle a une bonne moralité, ça voilà, va. Voilà, c'est suffisant. Je te remercie. Très suffisant. Je te remercie. Ouais, merci à toi. Et toi, ma chérie? Ok. Si c'est qu'il est un mauvais coup, tu le quittes ou tu restes avec? Ça dépend de sa situation financière. Non, non, sérieux. Oui. Ça dépend de sa situation financière. S'il a beaucoup d'argent. Non, je ne peux pas quitter quelqu'un qui me trompe. Je ne peux pas quitter un pauvre. Je ne peux pas quitter un riche. Parce qu'il m'a trompé. Non, bon, sérieux, ça ne se fait pas. Ça, c'est pas normal. Si tu es pauvre, tu me trompes, tu quittes. Oui. Moi, tu ne me sers à rien. Tu es riche, tu me trompes. Non, si on va débrouiller, si c'est débrouillé. Ah, il s'est débrouillé, on va voir, on va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir sur ce point-là. Je te remercie. Merci. S'il est un mauvais coup, tu restes avec lui ou tu le quittes? S'il est un mauvais coup. Genre, il ne fout rien au lit. Si j'essaye de l'amener, ça ne change pas. Bah, je pense que je vais le tromper. Je vais le quitter, mais je vais le mentir. Ça, c'est vrai. Oui. Mais s'ils sont choix, on fait avec. Voilà. Mais je vais pas le quitter, je vais le mentir. Je vais déjà quitter parce que je suis très. Donc on peut faire des bails, tu le trompes, voilà. Que tu as d'autres gars d'ailleurs. Mais exactement, lui, mais je vais rester avec lui. Je te remercie, monsieur. De rien. Merci. Si tu sors avec une fille et qu'elle est nulle au lit, tu restes avec elle ou tu la quittes? Bon, si je l'aime, si je l'aime, il reste avec elle. Oui. Mm-hmm. Si elle aime pas, je vais forcément la quitter. Mais tu la trompes. Mais en fait, si tu restes avec elle, tu la trompes pas quand même. Si je l'aime, je vais pas la tromper. Mais, bien sûr qu'elle va rester avec elle, mais je vais pas la tromper. Mais si c'est pas le cas, tu la trompes. Pas que je la trompe, je vais même la quitter. Parce que. Je te remercie. Oh, oui. Si c'est que tu sors avec une fille et qu'elle est nulle au lit, tu restes avec elle ou tu la quittes? La première chose, c'est d'abord de savoir si j'aime la fille. Mm-hmm. Si j'aime la fille, je ne peux pas quitter cette fille. Si j'aime vraiment la fille, je vais faire en sorte qu'elle sache. Bien le faire, mm-hmm. Je vais voir comment j'aime que tu dois être dorénavant. Mm-hmm. Voilà, quand à tes nuits. Mm-hmm. Si tu ne l'aimes pas? Non, mais si je ne l'aime pas, automatiquement je vais la quitter. Automatiquement je vais quitter la fille. D'accord, uh-huh. Je te remercie. Frère. Merci aussi. Merci. Si tu sors avec une fille et qu'elle a un mauvais coup, tu restes avec elle ou tu la quittes? Si elle a un mauvais coup? Oui, genre elle ne fout rien au lit, elle est nulle à mort. Non, mais si on s'aime d'abord, c'est ça le plus important. Si on s'aime, on peut apprendre, c'est oui. Tout. Pas qu'on se quitte comme ça, oui. Pas pour apprendre une question et de si vie. Et si tu apprends même, tu te débrouilles même, mais jusque-là, elle ne comprend toujours rien. Ah, là, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire, sinon, on se quitte. Je te remercie. De rien, de rien. Si tu sors avec un garçon et qu'il est nul au lit, tu restes avec lui ou tu le quittes? Et qu'il aime... Et qu'il est nul au lit, tu restes avec lui ou tu le quittes?
Déjà, moi, je vais dire que ça va dépendre. Si j'aime déjà cette personne-là, ça sera difficile. Donc, je vais plutôt chercher à ce que cette personne s'améliore. Et si tu cherches à ce qu'il s'améliore, il ne réussit pas à s'améliorer, tu fais comment? Ah, je pense qu'il va supporter. Tu supportes? Ouais, c'est ton choix, non? Ouais, tu supportes? Oui, c'est mon choix. Mais tu ne le trompes pas avec le voisin? Je ne le trompe pas, on va supporter. Tu ne le trompes pas avec son meilleur ami? Ouais, je supporte. D'accord. Je te remercie, Vassil. D'accord, merci tout de même. Si tu sors avec un gars et qu'il a un mauvais coup, tu le quittes ou tu restes avec lui? Mauvais? Il est nul au lit. Tu le quittes ou tu restes avec lui? Ouais, mais je reste avec lui. Il est nul au lit, il est nul de chez nul. S'il est nul au lit, sûrement qu'il est fort quelque part encore. Quelque part là, c'est... Quelque part dans sa poche, peut-être qu'il est fort. Ah, mais même quand tu le trompes pas? Non, non, non. S'il a quelque chose dans la poche, l'argent, ça va, c'est bon, tu es satisfait. C'est bon, je suis satisfait. Je te remercie. Merci. Si tu sors avec une fille et qu'elle est nulle au lit, tu la quittes ou tu restes avec elle? Bon, là, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle la force aux fesses. Oui. Avoir la force aux fesses. Bon, déjà, si une fille est nulle au lit, je ne vais pas quand même dire que je... Il y a ce qu'on appelle les entraînements. Oui. Voilà, donc il faut qu'on s'entraîne. Et au fur et à mesure, elle doit apprendre ce qu'on appelle avoir la force aux fesses. D'accord. Donc si elle parvient à avoir la force aux fesses, bon, on continue ça. Mais bon, si elle continue à être nulle, quoi que je vais abandonner, chercher celle qui est forte aux fesses. Même si tu l'aimes, tu l'abandonnes quand même. Mais l'amour ne compte pas. Ce qui fait l'amour, c'est la force aux fesses. D'accord. Je crois que c'est ça. D'accord. Je te remercie. Non, c'est moi qui vous remercie. Si c'est un mauvais coup, tu restes avec lui ou bien tu quittes? Je reste avec lui parce qu'il doit d'abord l'aimer. Ouais. Je reste avec lui parce qu'il doit d'abord l'aimer. Avant ça, il n'y avait pas, il n'y a pas eu d'abord cette relation-là entre nous. Mm-hmm. Donc, sans cet amour-là, on ne pouvait d'abord pas arriver à ce point, à ce moment. Donc, si vous êtes arrivé à cette intimité-là et qu'il a versé, tu ne le trompes pas avec le voisin? Non, je ne le trompe pas. Tu cherches pas son meilleur ami? Non, non. Il sait que c'est un gars que ça, il ne fournit rien, il est nul à mort. Non, 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 on va se débrouiller, on va s'en sortir. Vous vous débrouillez, vous vous en sortez? Oui, on va s'en sortir. Ok, je te remercie. Merci. Si tu sors avec un garçon oui. et qu'il est nul au lit, tu le quittes ou tu restes avec lui? Non, moi je ne peux pas rester avec un homme qui ne répond pas bien au lit. Moi, j'aime pas. Parce que comme ça, là, ça te pousse toujours à aller chercher dehors. Oui. Il faut que tu aies un homme qui te satisfait bien au lit. Donc, d'accord. Moi, je ne pourrais pas. Donc, tu pouvais le quitter? Non, je vais le quitter, franchement. Bon, je peux pas. Bon, je résume un peu. Si, par exemple, il est nul, de telle manière que peut-être il ne connaît pas s'y prendre avec la femme et que je peux la prendre, je la prends. Mais s'il est nul, que même si on fait tout et il ne parvient pas à faire quelque chose, bon, là, je ne peux pas rester avec lui. Là, tu ne peux pas rester non, avec non, lui. Non, là, je ne peux pas. Même s'il a beaucoup d'argent, non, tu restes. Même s'il a beaucoup d'argent, je peux pas. Tu restes avec lui, après tu le trompes. Non, si c'est bon, dans ce cas où je reste avec lui, ça serait juste pour le tromper à tout moment et je vais lui faire du mal. D'accord. Donc, il serait juste là pour mes intérêts et me chercher ailleurs. Donc, il faut que ton homme se te satisfait, que ce soit dans tes besoins physiques et dans aussi sexuels. Donc, d'accord. C'est un peu ça. D'accord. Je ne peux pas rester avec un homme qui n'est pas bien. Je te remercie, ma chérie. Merci.